la chose la plus importante, ça va être toujours l'entraînement. On s'est tous shooté dans un ballon. On a tous shooté une fois dans un ballon. Et pourtant, on s'est tellement pas entraîné que ben, quand on shoot, ça part un coup à gauche, un coup à droite. Eh bien, la respiration, c'est la même chose. Vous avez tous entendu parler de la respiration. Mais on s'est tellement pas entraîné. On s'est tellement dit, j'ai pas le temps, je dois rouler. On ne s'est pas entraîné. Et ça, c'est quelque chose d'hyper, d'hyper important à faire. C'est de l'entraînement. En sophrologie, c'est exactement la même chose. Moi, je prends des gens une fois par semaine. Je leur dis, si vous ne vous entraînez pas, pas de problème pour moi. On va faire 50 séances ensemble. Je serai bien payé. Pas de souci, je gagnerai ma vie. Simplement en vous rappelant ce que vous avez fait. Moi, mon objectif, quand je donne une séance de sophro, c'est que je vous montre des exercices et vous les refaites chez vous. Et si vous les refaites chez vous, vous allez vous entraîner. Et de cet entraînement, vous allez créer un automatisme. Rappelez-vous, c'est l'automatisme qu'on va chercher à créer. La respiration, c'est exactement la même chose. Au début, c'est difficile de respirer par le ventre. Et à force de le faire, 3, 4, 5, 10 fois sur la journée, simplement prendre conscience de votre ventre qui rentre et qui sort quand vous respirez, eh bien, à force de le faire, ça va être un automatisme et vous n'allez plus y penser. C'est exactement la même chose. Quand vous avez appris à rouler en voiture, la première fois, c'était pour régler les sièges, pour régler le truc, pour régler le bazar, pour... attention à tout, première, débrayer, c'est hyper compliqué. Et maintenant, quand vous prenez la voiture, on n'y pense même plus. On ne sait même plus, on a mis la ceinture, on ne sait plus. Voilà, c'est devenu un automatisme. On n'y pense plus. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose d'important.